Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, acte 1, scène 4. Attendez, je vais lui lancer un de ces traits. Vous avez un nez, très grand. Très. C'est tout. Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un nap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampe éléphanto camélos, dut avoir sous le front tant de chair résultant d'os. Cavalier, quoi l'ami se croque était la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut mener magistral t'enrhumer tout entier. Excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, hardi, c'est Diane. Nanan, c'est coque navet géant ou bas de coque melone. Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant pyramide, mon insanglot, le voilà donc, ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atout. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Puisqu'il vous eut d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces...